Donc, je vais expliquer comment j'ai fabriqué ces patounes ici. Donc, pour faire cela, j'avais regardé un tuto en anglais, mais je peux vite fait vous expliquer comment faire. C'est pas très compliqué. Donc, voici la main que j'ai fait. Normalement, il faut qu'il y ait au moins deux doigts qui rentrent dedans. Donc faites bien assez grand, parce que j'ai déjà recommencé plusieurs fois. Heureusement que j'avais assez de tissu pour en faire plusieurs. Donc, j'ai eu un coup de chance pour ça. Donc pour faire les pattes d'animaux. Bon, ça c'est une patte version mode carré, voilà. Les pattes d'animaux, normalement, ils ont les griffes ici vers l'intérieur. Cela est pointe vers là et cela pointe vers par là. Donc, les traits là, ce sont les griffes et ils pointent normalement de ce côté-là, vers le centre en fait. Les griffes ne sont pas vraiment au milieu de la patte, mais plus un peu sur le côté. Mais ça dépend évidemment quel animal vous faites. Donc moi j'ai fait comme ça parce que je trouvais ça beau. Donc c'est pour cela que sur votre patron de votre main, vous faites ici les emplacements des griffes. Voilà. Ensuite, vous prenez une autre feuille en annexe. Et vous prenez un doigt. Bon, moi je prends n'importe lequel pour vous montrer. Bim, et là la trace de griffe. Donc voilà, voici le doigt, le fameux doigt. Donc ce que vous allez faire, c'est en premier temps déjà couper ici droit, mais vous laissez de l'espace ici autour. En fait, vous rapetissez un petit peu la feuille. Ensuite, ici, à la limite de la base du doigt, vous allez trouver le milieu. Donc moi pour ce fait, je le plie, je fais une petite pliure. Bien, voilà. Petite pliure. Ensuite, de cette moitié-là, vous allez faire une grande ligne jusqu'à l'emplacement de la griffe. Vous allez faire bien, voilà, comme ceci. Ensuite, à la ligne, vous allez plier en deux. Vous gardez ça plié. Ensuite, ici, vous allez faire un trait perpendiculaire. Bon, moi, je fais toujours à l'arrache. Ça dépend si vous êtes doué ou non. Voilà. Ensuite, une fois arrivé là, vous allez faire un petit arc de cercle. Vous allez prendre ici une certaine mesure. Vous allez répéter partout pareil. Par exemple, cette distance-là. Et vous allez faire un arc de cercle, c'est selon vos goûts, selon ce que vous préférez, voilà. Donc un arc de cercle comme ceci. Donc vous pouvez déjà couper cet arc de cercle. Bim. Ensuite, de là où l'arc de cercle se termine sur la ligne perpendiculaire, donc il faut voir des deux côtés de faire la même chose. Donc c'est normal que d'un côté, c'est un petit peu différent, c'est normal. Donc voilà. Ensuite, arrivé là, vous allez faire du trait ici de base à là, une forme plus ou moins arrondie comme ça bombée. Pareil de l'autre côté, du trait que vous avez fait
Là, un peu de... un arc de cercle bombé, pardon. Je trouve plus les mots. Donc vous pouvez le faire un peu comme vous voulez. D'un côté. De côté. Ensuite, vous allez rouvrir et découper. Et c'est comme ça que vous avez votre patron pour le dessus de votre doigt. Donc moi, ce que j'ai fait, une fois arrivé à ce patron-là, j'ai mis les griffes ici dedans et j'ai tout cousu ensemble. Donc ici, si on regarde sur la feuille, j'avais fait ce doigt-là. Donc regardez, la griffe, elle est bel et bien à l'endroit où je voulais. Et quand on va coudre après le tissu, ça va faire une forme bombée où vous aurez une belle petite patte. Donc c'est exactement ce que j'ai fait avec... les papates actuelles. Et ça vous donne ça. J'ai enfin reçu la fausse fourrure noire. Et franchement... elle est super douce, ce qui est très bizarre quand même. Dans mes souvenirs, je ne savais pas qu'elle était si douce. Mais elle est... waouh, magnifique. Et j'ai ressorti aussi ma fausse fourrure rouge que j'avais utilisée pour Naira. Bon, elle est moins douce, c'est sûr. Mais je vais l'utiliser quand même parce que c'était 50€ le mètre pour la rouge. La noire, je ne sais plus exactement. Mais bref. Donc voilà, tout ce que j'espère seulement, c'est que j'espère que j'ai pris assez de fausse fourrure noire, parce que ça me semble quand même assez petit. Je vais faire les mains, j'attends la tête pour faire la tête, et pour la queue, il faudra attendre. Alors, au pire des cas, je devrais faire la queue bien plus tard, si jamais j'ai pas assez de fausse fourrure noire. Donc voilà. C'est tellement doux. Donc, c'est parti pour les mains. Donc voilà le pattern pour la suite de la main. Je ne sais pas si l'on voit sur la petite table lumineuse que j'ai. Ça s'est décalé en plus. Tac. Donc ici au-dessus, je laisse exprès de l'espace parce que j'ai vu que ici, à un de mes doigts, j'ai complètement zappé de mettre assez de noir. Donc on va récupérer ça avec du tissu en plus. Pas le choix. Là, j'ai bien fait attention d'écrire index, pouce, doigt, etc. pour bien indiquer que quel côté va où. Évidemment, chaque côté, je laisse aussi, on va dire, environ 1/2 cm ou 7-8 mm. Je sais pas. Mais en gros, il faut laisser quand même quelques bons millimètres. Ici en bas, j'aurais pu aussi, mais je vais faire... après une bande noire autour, donc c'est pas vraiment besoin. Donc voilà. Et c'est parti. Petite précision que j'avais oublié de dire, c'est le sens des poils de la main vont vers les doigts. Donc vers les doigts. Donc voilà, c'est parti.